C'est un bon environnement. J'avance doucement. Je suis contente de mes ouvrages. J'aime le fait de me servir de mes mains. Voilà, on s'échange. Moi, ça fait longtemps que je couds. J'avais 7-8 ans, je cousais les habits pour la poupée de ma sœur. Et un jour, ma mère m'a dit, mais tu veux apprendre à coudre, je vais t'apprendre à coudre à la machine. Et donc, elle m'a montré quelques points à la machine. Mais moi, je n'étais pas très satisfaite. J'ai pris le petit livret quand elle n'était pas là et je me suis familiarisée avec la machine à coudre. Jusqu'au jour où ma mère s'en est rendue compte et donc m'a donné un bout de tissu et je me suis fait un petit vêtement. Et de là, j'ai continué. J'ai été invitée à être marraine. Je voulais coudre moi-même la robe de baptême, mais je ne savais pas du tout coudre. J'avais essayé, quand j'étais petite, je faisais à la main. Je faisais beaucoup d'ouvrages à la main. Mais du coup, j'ai voulu utiliser une machine parce que j'ai une machine à coudre comme cadeau. Et je suis venue voir Corinne et du coup, c'était parti, quoi. J'ai commencé par la robe. Elle m'a dit, bah, tiens, pour quelqu'un qui ne sait pas coudre, commencer par une robe, c'est du travail. Mais j'ai eu ma robe. En 2 mois, je l'ai eue. Ça me fait un lavage de cerveau. Je pense à rien et le fait de sortir de la maison, ça me... C'est pas d'être euphorique, mais ça me permet d'apprendre mieux la concentration, d'être là, d'exister. Ouais, exister. Alors ça s'appelle un pantalon pompe, comme les marins. Je m'évade un petit peu dans ma tête, je suis contente de mes ouvrages. Voilà, de plus en plus je m'applique à faire des choses un petit peu plus difficiles, donc je suis très fière de moi une fois que tout est fait. Et je peux faire aussi des petits cadeaux, les gens ils sont contents. Je suis contente quand je couds, quand je cherche, quand je trouve des vieux tissus chez moi qui ne sont pas utilisés. Ça m'apporte beaucoup. Après, c'est aussi un lien avec... Enfin, moi, quand je viens ici, c'est voir les copines. C'est voir les personnes que j'aime, quoi. Alors, l'atelier, je suis venue à partir du moment où j'étais à la retraite, en 2012. Je crois que le meilleur, c'est l'échange. C'est l'échange d'abord avec des personnes différentes de nous, de différents pays. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la découverte de l'autre. Mais je viens ici dans un but, je me fais des vêtements, mais très, je coupe plus chez moi qu'ici. Ici, je trouve que c'est l'aide entre nous, voilà, le papotage, se faire du bien, quoi. Changer de l'atmosphère de la maison, oublier les soucis et changer. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai qu'avec la couture, ben, au moins tu commences un ouvrage, même si tu vas mettre du temps. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais au moins tu sais qu'après ça t'appartient et que tu y es arrivé et que ça te donne du plaisir de, comme je te disais, d'arriver et de dire c'est moi qui l'ai fait, quoi. Ça fait du bien. Voilà. Col Claudine. Ah oui, celui-là est tendu, c'est ouvert vers le dos. Je ne sais pas comment faire. Je ne coupe pas alors. Pour les boutonnières, jusqu'en haut, il va y avoir 3 boutons, 4 boutons.
c'est une petite robe d'été. Tu sais qu'il m'avait fait un doigt. Il y a déjà tout un protocole avant. Et après, on s'y met vraiment, quoi. Donc, ça prend du temps, quoi, finalement, hein, de réaliser quelque chose. J'avance doucement, mais je suis contente de ce que je fais, de mes petits ouvrages, voilà. J'avais fait une robe avec ce tissu, en fait, comme j'ai ma filleule qui fête son anniversaire le même jour que mon fils. Bon, du coup, j'ai fait une robe pour elle. Et là, je suis en train de faire un short pour mon fils dans le même tissu. Donc, du coup, ils seront habillés pareil. Maintenant, il faut que mon fils l'adopte. Et on s'entraide suivant ce qu'on fait, suivant le niveau qu'on a. On a une très, très bonne intervenante. Ça y joue, quoi. Après, il y en a qui préfèrent... qui préfère être dans cette consommation du « j'achète, je jette ». Et ça, moi, je non. Donc, c'est vrai que les samedis, je vais au gilet jaune. Voilà. Le fait de créer nous permet d'échapper à cette espèce de pilonnage que l'on peut trouver dans les rues, où les gens se précipitent pour satisfaire une envie très fugace. Et ça consomme, ça consomme, ça consomme. Et je pense que ça pilonne beaucoup l'âme des humains. C'est tellement dommage. Pourquoi ne pas se retourner vers autre chose? En fait, je pense qu'on est fait pour vivre ensemble et puis qu'il faut aller l'un vers l'autre. Et surtout donner, donner, donner. On travaille en même temps, enfin on travaille, c'est pas un travail, c'est de bonne volonté pour une association, Sambre, c'est une association pour les femmes, et donc en tricotage on peut faire des bonnets, des gants, des écharpes, rien n'est figé, chacune fait ce qu'elle veut et après on l'amène à cette association, et en couture pareil, une fois par mois on fait des choses pour cette association, des moufles, des écharpes, des bonnets, pareil, avec du polaire et voilà. On peut y arriver, voilà, des fois on se dit que ce qu'on réalise, ce que d'autres personnes réalisent, c'est hors de notre portée, que ça prend du temps. Bon, après, il faut avoir envie aussi. Hein. Mais finalement, même si on ne va pas le faire en une semaine ou en quelques jours, on prend le temps qu'il faut. Cela, c'est une chose après l'autre. Et on voit après. Et quand on a fait, on dit « waouh, quand même, c'est bien ». C'est un bon petit moment passé, en tout cas, à coudre.